Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le test en quête de perfection. Ça vous donnera la Lexus LFA que vous pourrez utiliser pour faire votre défi hebdomadaire si jamais vous n'avez pas la voiture. Alors c'est parti, vous devez gagner en équipe contre des drivatars imbattables. Vous devez utiliser une Lexus réglée en maximum à 800. C'est parti. Comme voiture, j'ai choisi la Lexus RCF de 2015 qui coûte 75 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas, avec le réglage suivant: Trail Road B Kit et le code 2 6 5 0 9 7 1 9 0 2 6 5 0 9 7 1 9 0. Et c'est parti pour le test en quête de perfection. On prend la Lexus qu'on a modifiée. Je rappelle que c'est une course en équipe. Vous devez finir devant les drivatars pour marquer des points. L'équipe qui a le plus de points remporte l'épreuve. Et si on remporte deux épreuves, on gagne ce championnat. Le but est de finir devant les drivatars. Peu importe votre place par rapport aux joueurs humains, ça n'a aucune importance. Essayez de ne pas pousser les autres. Je ne le crois pas, quoi. Des voitures 741, même pas réglées, quoi. Au secours, quoi. Celui-là, déjà, il va finir quasi dernier. Enfin, bon, bref. Ben, peut-être pas. S'il est très très bon, peut-être pas, mais... Essayez de venir avec des voitures réglées, hein, les gars. Ça facilite la team. Ça rend les choses plus faciles. Voilà, qu'est-ce qu'elles font, les voitures IA, là. Et voilà, ça c'est bon. Ah, voilà, l'IA qui repasse devant. Sortie de route, freinage raté. Encore. Ah non! Ah la catastrophe! J'ai complètement loupé mon freinage. Bon, je vais rester derrière lui, hein. Je vais pas le gêner. Bon, il y a l'autre qui me pousse évidemment. Mais quel abruti quoi! Honnêtement, quel abruti quoi! Quel intérêt quoi! Il suffit de rester comme ça et on gagne la course avec 2060 points et le gars va vous pousser, quoi. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Putain, tu me fais chier, toi. Toi, voir, tiens. Tant pis si on perd la course, mais là, tu m'as trop énervé, mon gars. Tiens, prends ça. Ah ouais, attention, tu vas voir. Ça me saoule, quoi. Ah, ça m'a saoulé. C'est pas souvent que je fais ça, mais parfois, ça me saoule tout le temps, quoi. Les gens qui poussent et qui essayent de vous pousser hors des checkpoints, quoi. Ça m'énerve. Allez, on a quand même gagné. C'est le principal. Kukov Coco, là, il me tape sur les nerfs, lui. Abruti, quoi. Excusez-moi, hein, je m'énerve, mais... Parfois, j'en ai marre, quoi.
Chaque semaine, c'est pareil. Chaque semaine, c'est les mêmes conneries. Allez, on va essayer de faire la deuxième course en mode zen. Suffit de gagner celle-ci et c'est bon. Ah bah, hors du checkpoint, hein, voilà. Tout va bien. Ouais, attention, bien sûr. Tiens, il m'a pas compté le checkpoint en dehors, ça c'est marrant. Bon, si je remets la main sur l'autre zigoto, je vais le pousser, quoi. Je vous le dis tout de suite. Ça fait deux courses qui m'énervent. Ah là 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 là. Ça me saoule. La course est quasi finie. Et voilà, c'est enfin terminé. On va pouvoir passer à autre chose de plus marrant que de jouer aux autotamponneuses. Ah, ça m'a bien saoulé cette semaine, ce truc. Et on obtient la récompense, la Lexus que vous pouvez utiliser pour faire le défi hebdomadaire. Et voilà, on vient de terminer le test en quête de perfection. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.